Eh ben, d'accord. Bah c'est que c'est vachement bruyant dès le début de l'épisode là. Eh bien salut à toutes et à tous les mêmes compagnies, j'espère que vous allez tous très bien. Ah bah écoutez, je viens de spoil la base. Mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, parce que là le piège a été activé, le piège sonore a été activé également. Hop, je réactualise. Bon en tout cas, ça fonctionne bien, donc ça, ça fait plaisir. Mais attendez, c'est peut-être un monstre. Un monstre. Un cannibale qui est rentré dedans, je ne sais pas. Bref, salut tout le monde les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve évidemment aujourd'hui pour ce 13e épisode de Sons of the Forest. Épisode 13, vous savez ce que ça veut dire, ça veut dire épisode de la chance comme d'habitude. Évidemment, j'espère que vous allez bien. Demain, nouvelle mise à jour, du coup, ça va être plutôt sympa. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Quelle va être la prochaine mise à jour? Me dis pas que c'est ce lapin qui a activé le piège, non. Donc je ne sais pas la mise à jour de demain, j'aimerais un petit peu qu'on discute également de ce qu'on aimerait à l'avenir sur le jeu. Mais avant toute chose, n'oubliez pas le like, on va regarder la base, ce que j'ai fait et ce qu'on va faire par la suite. Alors déjà j'ai dégagé le traîneau là, vous voyez juste ici, je l'ai dégagé très clairement, hop. Et alors vous savez quoi, je vais le mettre ici, voilà, vous voyez, ah, j'ai eu peur d'un oiseau, voilà. Je suis pas serein. J'ai mis une tyrolienne ici et en effet vous pouvez constater qu'il y a bon, on va prendre la tyrolienne. Vous avez compris, ce sera plus simple. Voilà, j'ai fait quelque chose en haut, c'est à dire que j'ai fait une structure. Alors je sais plus, mais non, on l'avait fait dans la dernière vidéo, je suis con. Mais du coup j'ai relié avec 4 tyroliennes. Donc là-bas, là-bas, là-bas et là-bas. Voilà. Mais non, il y a 5 tyroliennes au total, mais c'est incroyable, c'est complètement fou. Mais on a fait ça dans le dernier épisode ou pas, je sais plus. Bref, j'ai mis ici un stock de pierres et j'ai rebouché le trou. Parce que finalement, on en a plus besoin de ce trou. Puisque dans tous les cas, on peut accéder au toit en passant par ça, là, par là, ici, comme ça, regardez. Hop, voilà, c'était un très mauvais exemple. Hop, voilà. Bon, t'as compris, ça y est, j'y arrive plus. Mais t'as compris, je peux monter sur le toit en faisant ça. Tac, super. Donc ça me permet, voilà, de pouvoir me déplacer facilement. Évidemment, on va mettre les panneaux solaires. En fait, je pense qu'on va piquer tout ce qu'on a dans la maison là pour mettre ici. Hein. Je pense que ça peut être une bonne chose. Je pense qu'en fait, on va détruire cette maison. Ça faisait pas partie du programme parce qu'on va faire beaucoup de choses durant cet épisode. Mais je pense qu'on va s'amuser encore avant de partir. Et on va... Il y a Virginia qui arrive en courant. On va exploser cette maison en fait. Mais bref, donc voilà. J'ai fait des barrières tout autour de la base, ça y est hein. Et en fait j'ai une superbe idée, donc je vous avais demandé, est-ce que vous pensez que on va mettre des rondins autour du lac pour l'hiver, pour nous défendre? Bon, finalement vous m'avez dit en commentaire, c'est vrai que ça a été un peu compliqué, donc on va peut-être pas le faire. Ah bah il y a les deux collègues là. Par contre, ce qu'on va faire, apparemment ça suffit, les barrières électriques, ça suffira. Donc on va électrifier, électrifier les barrières pour que ça soit des barrières électriques. Et en plus de ça, j'ai fait un test. On peut combiner, regardez, avec les piquets juste ici. Donc les piquets qui font des dégâts. Donc j'ai fait ça de ce côté-là également. Les piquets qui font des dégâts. Et en fait, je pense que là, normalement, on devrait être pas mal. Entre l'électricité qui va les foudroyer, les mutants, etc., plus les piquets qui vont se prendre, ça peut être pas mal. Donc on va entourer comme ça la base. Là, j'ai enlevé le bois qu'il y avait en trop parce que ça servait à rien, hein, tout simplement. Ce piquet ne servait à rien. Et quand ça gèlera, faudra évidemment que tout soit déjà électrifié et qu'on a mis un maximum de piquets autour. Mais quand ça gèlera, je pense qu'on agrandira la plateforme pour avoir encore plus de place. Voilà un petit peu pour ça. Je me suis permis de récupérer une troisième carapace de tortue. Comme ça j'ai 3 collecteurs d'eau et ça fait vraiment plaisir. Comme ça, bah, comme il pleut assez rarement, bon ben bah, voilà, t'as vu, j'ai déjà usé de l'eau. J'ai pêché du poisson. Alors pêché, non, je n'ai pas pêché du poisson. Ils se sont fait avoir dans mon piège à poisson que je vais vous montrer. Là regardez, j'ai fait une petite structure. Voilà, je savais pas quoi faire des bouts de cadavres que j'avais sur moi. Donc j'ai le piège à poisson là-bas qui n'a pas bougé là, vous le voyez là. Et là j'en ai ajouté un nouveau parce que du coup moi regardez, est-ce qu'il y en a dedans? Non, il y en a pas. Moi ça me permet de remonter à la surface ici là. Bon là c'est un mauvais exemple encore une fois. Voilà, là je peux remonter. Donc c'est vraiment pratique. Donc avec finalement ces histoires de tyroliennes, je pense qu'on va aussi enlever le ponton ici là. Le ponton là ne sert plus à rien. En fait j'hésite encore. J'hésite encore, est-ce qu'on fait un système, est-ce qu'on met une porte? Pff, franchement je sais même pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, voilà, nouvelle question que je vous pose, est-ce que j'enlève le ponton là ou pas? Sachant que j'ai pas besoin de traîneau, puisque j'ai les tyroliennes.
Dans tous les cas, Virginia et Kelvin ne viennent pas parce que bah, ils arrivent pas à passer dans tous les cas, donc ça change rien. Donc en fait, je considère que j'ai pas besoin... Je peux enlever le ponton. Dites-moi en commentaire si j'enlève, oui ou non. Alors, j'ai découvert un truc aussi, vous allez le voir ici. Alors, j'ai fait des rangements également, regardez, j'ai enfin tout rangé correctement. J'ai tout dispatché ensemble. Il y a les sodas qui sont sur une étagère, les médicaments sur une étagère, les conserves dans une étagère. Et là, le meuble, vous voyez les sneakers qui sont ensemble, les petites nourritures à part, vous voyez, les petits bols de riz. Donc voilà, j'ai vraiment enfin tout rangé pour que ce soit plus, plus confortable. Là, j'ai mis des étagères par la suite quand on aura du trop plein. Et on va ranger. Ici, donc, j'ai découvert un truc. Regardez, burnt poisson, du poisson brûlé. J'ai brûlé du poisson, j'ai pas fait exprès. Est-ce que c'est bon? Ok, c'est pas bon. D'accord, bon bah donc c'est pas bon. Parce qu'en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, durant ma petite phase en off, j'avais pris donc du poisson normal comme ça. Je sais pas pourquoi je l'ai mis au feu et il a brûlé. Donc trop bizarre. Également, je me suis fait un peu rouspéter en commentaire par rapport au feu de bois, enfin au feu de bois de cheminée qu'on peut apparemment en mettre. Les gars, je vais vous montrer par A plus B que je ne peux pas. Alors, vous m'aviez dit de prendre une bûche, d'accord. Je vais les couper. D'accord. Voilà, là ça me fait du bois de chauffage. Ça c'est du bois de chauffage les amis, ni plus ni moins. Et je vais vous remontrer, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Voilà, tous ceux qui me disent que c'est censé fonctionner, ça ne fonctionne pas. Et si j'ouvre là, bah ça marche pas non plus, je peux pas faire comme ça. Ça ne marche pas les gars. Je suis navré, ça ne marche pas. Alors je vais mettre là comme ça, mais ça ne sert à rien. Donc voilà, je viens d'user du bois de chauffage, mais c'est pas grave. Mais bref. Enfin j'ai usé du bois tout court, hop ça dégage. Bref, donc voilà pour ce qui a été fait. J'ai une tête d'élan à... Oh purée de pommes de terre, regardez tout ce monde qui est là-bas. Je suis en train de faire le petit footing du matin. Enfin du matin, remarque il va être la nuit là. Ah non pas du tout, il est 15h. Ouais j'ai une tête d'élan à accrocher les amis hein. Je vous rappelle, je l'avais oublié celle-là. Donc écoutez, on va la mettre ici, ça va être magnifique. Alors je sais plus où c'est que c'est. Ça va être là dans meubles. Torche murale, voilà, monture. Je vais la mettre juste au-dessus de la porte. Hop, la grosse tête d'élan mon pote. Oh, magnifique. Eh, c'est magnifique. Voilà, je déteste ça dans la vraie vie hein, mais là je trouve ça magnifique. C'est formidable, voilà, je suis content. Voilà, donc aujourd'hui dans cet épisode, moi ce que je vous propose, dans tous les cas je l'avais dit hein, c'est que on allait, mais il y a plein de monde autour de nous là, c'est formidable. C'est qu'on allait aller. On allait aller. Au point d'exclamation en face. D'accord? Puisqu'on a l'appel. Est-ce qu'on est déjà allé au cours d'eau là-bas? Oui, on est déjà allé au cours d'eau là-bas. Non, mais je me souviens plus de tout ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Là-bas, c'est la plage du respirateur aquatique. Là. Ça, on a déjà vu. Là, on a déjà vu. Est-ce que ce petit cours d'eau là en face, on a déjà tout exploré? Bon, on va faire un petit détour, on va se promener. Alors, d'ailleurs là j'ai fait des plantations. Ici j'ai mis de la baie, ici j'ai mis je sais plus quoi, et là j'ai mis je sais plus quoi. Mais j'ai mis des graines, les graines que j'avais sur moi. Et d'ailleurs, bah, j'avais fait un lit double. Voilà, ça me fait plaisir de vous le montrer. J'ai fait un lit double, c'est formidable. Et puis, certains m'ont dit de mettre d'ailleurs la table au milieu. Ça peut être une idée. En vrai ça peut être une idée, mais j'ai peur que ça me fasse chier. Bon attendez, vous savez quoi, de toute façon le soleil va se coucher, faut qu'on dorme avant de partir. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça maintenant. Donc on va essayer de mettre ça au milieu. Alors bon courage pour trouver le milieu. Ok, j'ai la planche là au milieu. Là normalement. Oh putain, elle est quasiment au milieu. Dégoûté. Ok. Ok, je l'ai au milieu, parfait. Alors je vais essayer de prendre la chaise. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. Ah si, vous avez raison, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça de faire ça. De mettre ça au milieu, c'est quand même une bonne chose en vrai. J'avais pas pensé à ça. C'est absolument excellent. Ah oui, c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Franchement, vous avez bien raison. Mais vous savez quoi, en attendant que le soleil se couche, avant de partir à l'aventure. Alors le soleil va se coucher très vite. Hein, mais on va donc pas détruire encore la maison. On va pas la détruire tout de suite. Parce qu'on va récupérer encore des trucs dont on a besoin. Et notamment, bah, tout ce qui va être panneaux solaires.
Ah, j'entends des coups de feu. Les panneaux solaires qui sont en haut, on va récupérer les ampoules et ouais, on va vraiment détruire cette maison. Alors vous allez être triste, vous allez te dire ouais c'est dommage et tout que tu l'avais construit et puis... Non c'est pas grave, au moins on récupère du bois en plus. C'est fun, c'est voilà, c'est une histoire du passé, maintenant on fait beaucoup mieux. Et comme dit vraiment, à l'avenir, alors j'avais mon idée de construire, vous savez, une maison là-bas là sur le terrain plat. Au final j'en ai moins envie parce que vraiment... J'ai envie qu'on s'installe en hauteur par la suite, hein. Une fois qu'on aura passé pas mal d'épisodes ici. De toute façon on détruira jamais cette maison. Mais on va vraiment s'installer en montagne, en hauteur. Et on va se faire un gros truc avec beaucoup plus, plus d'espace. Et ça va être vraiment cool. Voilà. Alors je sais pas combien de panneaux solaires je peux transporter. Je crois qu'on peut pas en transporter Alors on peut en transporter que... Putain je suis dégoûté. Alors on va faire des économies quand même. Je vais replacer ça là. Voilà. Donc on peut pas porter plus de 3 panneaux solaires. Comment je descends? Je descends par là. Voilà. Bon allez, oh. T'es un vrai acteur toi. On va récupérer les ampoules et le fil. Le fil, et oui, on va en avoir besoin du fil. Hein. Ah, les ampoules, je suis full. Et en plus, ça rime. Donc attendez, je vais quand même replacer une ampoule. Hein. Voilà. On fait comme on peut. Je récupère le fil. Oh merde. Non, non. Voilà, le fil, ça, il faut que je laisse, du coup. Bah là, il faut que je laisse. Ça, je peux prendre. C'est pas ça que je veux. Je suis en train de démonter ma... Eh, ma maison, c'est un Lego, le truc. Voilà. Est-ce que je peux récupérer le fil, là? Non, d'accord. Là, je peux. Ok. Voilà, j'ai récupéré pas mal de fil. Ah, c'est pas beaucoup, hein. C'est compliqué à trouver, le fil. Putain, Virginia, elle m'a fait trop peur. Oh. Purée quoi. Faut juste qu'on se souvienne, durant cet épisode on va récupérer un maximum de plantes pour récupérer beaucoup de graines, beaucoup de feuilles. Donc on va vraiment faire, alors pas du jardinage, mais on va se promener. Ça va être un épisode chill au premier abord, mais il faut vraiment pas qu'on passe à côté de quoi que ce soit. Et il faut vraiment qu'on, voilà, qu'on récupère un maximum de graines et tout pour les plantations. En fait le but du jeu c'est que à la fin, ici sur cette petite île, j'ai envie de dire, cette île artificielle, voilà, qu'on soit autonome. Oui. Putain mais il y a des drôles de bruit. Voilà, l'idée vraiment c'est qu'on soit autonome. Hop. Et hop. On va encore mettre un panneau solaire ici. Et du coup les fils, j'en ai 10. Donc pour faire les barrières, hein, voilà, il en faut encore un petit peu plus. Mais déjà on va faire descendre le... Tout le bazar là. Comment je pourrais faire passer l'électricité en vrai? Parce que ça va faire moche là. Ça va faire super moche. Alors attendez, où c'est que j'ai fait descendre là? J'ai fait descendre ici. Voilà, j'ai fait descendre ici. Mais en fait ce qu'il faudrait... Là j'ai un panneau solaire ici. Faut que je fasse longer là. Et là, d'accord. J'ai fait longer ici. Donc là normalement. Et là normalement si je fais ça. Alors attendez, d'abord il faut que je mette du fil. On va bien voir, hein. Voilà, et si je fais ça. Et ça, c'est un test. Attention, je vais me faire électrocuter. Ça marche pas. Ça marche pas, ça veut dire que c'est pas relié. Pourquoi c'est pas relié? Pourquoi c'est pas relié? Attendez, est-ce qu'on peut faire un truc tout con et pas réaliste? Attendez. Est-ce qu'on peut faire passer à travers les murs finalement? Parce qu'au final ça ferait des économies de zinzin. Regardez. Je prends là. Ah, c'était sûr que ça allait marcher. C'était sûr que ça allait marcher. Ah! Ça marche pas. Ça ne marche pas. Bah c'est moi qui ai du mal connecter un truc, c'est pas possible. Ah bah voilà. Putain mais je suis débile. Bon là normalement ça marche. Voilà, c'est ça marche. Allez, impec. Bon du coup là on pourra, voilà, faire le tour. Et ça va nous demander beaucoup, clairement. Mais bon, au moins voilà. Et en plus j'ai pensé à un truc, attendez, encore un truc avant de dormir et qu'on parte. Quand on s'installera en hauteur, qu'on va s'installer près d'une montagne et tout, en plus qu'on aura une belle vue dégagée, etc., qu'on aura les levées et les couchers de soleil, mais en plus avec le wingsuit,
juste ici là, maintenant qu'on sait qu'on peut remonter à l'altitude de départ, voire plus, bah ça va nous permettre en fait de faire des voyages un peu infinis, parce qu'on va pouvoir décoller de tout en haut et réatterrir sur la piste de décollage, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, bref, assez parlé. Là le problème c'est que si je dors maintenant, il va faire encore nuit. On va juste un tout petit peu attendre et on va réfléchir à ce qu'on va faire. Déjà on va aller au niveau du petit cours d'eau là-bas en face, pour être sûr que j'ai rien loupé. Ensuite on va traverser le petit cours d'eau dont on a l'habitude. On va arriver au gros truc d'eau là-bas. Ah ouais, attendez, parce que pile en face, le grand truc d'eau, on y est déjà allé. Par contre là on n'y était pas encore allé, je crois. Et après on ira au point d'exclamation. Voilà. Bon, on pourrait prendre le monocycle. Ouais, on prendra le monocycle sur le chemin. Même s'il est dans le village, c'est pas grave. Ça devrait aller. Allez, un nouveau jour se lève, 6h40, jour numéro 29. Le temps passe vite et je suis en train de mourir de faim et de soif. Donc déjà, on va manger un poisson cru. C'est pas grave. On va voir, c'est peut-être meilleur que du poisson cramé. Oui, oui, calme-toi, mange. Mange, mange, mange. Eh ouais, visiblement, il kiffe. On va boire du coup juste ici de l'eau. Et puis on va remplir nos gourdes. Alors on a une casserole d'eau au propre, impec. On va prendre la gourde, on va la remplir. Comme ça au moins on sera plutôt pas mal. Et je vais éviter de la vider, hein, comme j'ai pu le faire sans faire exprès dans un précédent épisode. Là on a eu l'air un petit peu con. Et du coup je vais en profiter, je vais quand même prendre un petit soda, parce que ça m'a bien sauvé la vie dans le dernier épisode. Je vais me permettre de prendre deux conserves, même si c'est de la viande pour chat, et 3 sneakers. Voilà, parce que j'ai bien compris que c'est rare à trouver visiblement. Enfin en tout cas j'ai pas beaucoup de chance à ce niveau là. Voilà, allez, j'aurais pu prendre la tyrolienne, mais c'est pas grave. Du coup direction ce truc d'eau là bas Parce que j'ai... sais plus si on avait déjà tout vu ou pas. Me semble que oui, mais quand même. Alors je récupère évidemment ce que je peux récupérer. Bon là c'est des myrtilles, ça je suis full. Épilobes, je ne sais pas ce que c'est les épilobes. Huître royale. Putain, il y a des champignons. Alors, est-ce que je pense que les champignons existent pour de vrai, hein. Les huîtres royales. C'est amusant, ça. Peut-être que vous n'aimez pas les huîtres. Peut-être que vous aimez les huîtres royales. C'est formidable. Ouais, donc voyons voir ce petit truc d'eau. Est-ce qu'on avait déjà tout vu ou pas? Je récupère les bâtons également. Tout ce qu'on peut récupérer sur le chemin. Et le bienvenu. Bon, c'est fort probable, hein, qu'on ait déjà vu cet endroit maintes et maintes fois. J'ai la mémoire courte en fait, hein. Wesh. Tous les poissons, regardez. Tous les poissons qui remontent la surface. Ok, j'ai trouvé ça incroyable. Oh, des cannibales. Excusez-moi, je me suis... j'ai trouvé ça incroyable. Les poissons qui remontaient la surface, magnifique. Ouais, on est déjà allé là en fait, hein. Je disais bien... Oui, on était déjà là. Mais des fois qu'on sait jamais, hein. Je sais que... Il me semble... What? Bah voilà. Alors les gars, c'était juste pas calculé du tout. Mais voilà, on est passé par là je ne sais pas combien de fois. Et on n'a jamais vu ça. Enfin, je m'en souviens pas, hein. Je me souviens pas avoir vu ça, hein, durant cette saison, hein. Oh, panneau solaire, médicaments. Des munitions de pistolet. Panneau solaire. Oh, magnifique. Magnifique l'hélicoptère. Bon, j'ai déjà vu durant la saison 1, hein. Mais tu vois, je pensais pas le trouver. Je pensais pas le trouver là. Attends. Silencieux. Et ben voilà, on vient de récupérer un silencieux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'il y a des petits objets que tu ne peux trouver qu'à un seul endroit. Et tu fais pas attention, tu passes à côté. Ça peut être ce fameux silencieux. Ça peut être la matraque électrique que je n'avais pas vue. Et sans vous, je l'aurais jamais récupéré. Voilà, ça aurait pu être plein de choses. Et il me semble que la hache moderne, elle est aussi planquée dans un endroit un peu con. Donc franchement, je suis content, j'ai bien fait. J'ai bien fait et on va continuer comme ça, les gars. On va essayer d'explorer un maximum cette fois-ci de manière intelligente. Comme ce qu'on vient de faire actuellement. On va récupérer le monocycle quand même là-bas. Ça peut être pas mal. Parce que le cours d'eau là-bas, on n'y était jamais allé non plus. C'est pas là-bas qu'il y a l'âge moderne. Ah putain, bon maintenant je vais dans la direction opposée. Alors, vous savez quoi? On verra ça plus tard.
Parce que sinon on va jamais s'en sortir. Attendez, le monocycle c'est par là. Bon là normalement c'est tellement en pente qu'on devrait rien trouver d'intéressant. Ok. Alors, le monocycle. Ah mais il est dans l'eau. Ah. Ah non il est là. Formidable. Il est là. Donc là on a le village. On va y passer rapidement. Voilà. Hop, le temps de me réhabituer. On va suivre le chemin du coup. Je sais qu'on l'a déjà fait plusieurs fois ce chemin me semble-t-il. Attends, je vais quand même garder mon épée, enfin mon petit couteau dans la main. Voilà, et on va aller essayer de monter. Ah! On va essayer de monter de sorte à récupérer. Attendez, hein. Pas que je me trompe. Voilà, le petit truc d'eau là. Le truc d'eau là-haut là. Déjà, on rattrape un chemin. Ok. Je me permets de couper un peu. Oh putain. Ah bah j'ai encore confondu un tronc d'arbre avec un indigène. C'est incroyable. Voilà par ici. Allez un petit effort. Allez un petit effort encore. Bon on va abandonner le monocycle hein, ça m'a saoulé. Le cours d'eau là. Eh oui. Eh oui j'étais jamais là. Enfin je crois pas. Oh. Alors si on était déjà là, parce qu'il y avait le mec pendu là-haut. Mais on n'était pas ici. Je ne crois pas. Ok. Très joli. Non, on n'était pas là. On n'était pas là. Bon, il n'y a rien. C'est un très joli spot. Non, il n'y a rien à récupérer en fait. Un peu déçu, voilà. Je m'attendais à quelque chose de grandiose. Et en fait, que nenni. Alors, pendant qu'on marche, je voulais un petit peu qu'on discute également des choses qu'on attendrait pour les prochaines mises à jour. Eh bien, de Sons of the Forest. Attendez, il y a un petit cours d'eau là également. Enfin, vous voyez les petits trous d'eau là? En face, je pense qu'il n'y a rien. On va aller au point d'exclamation directement. Hein. Puis en plus, il y a un monocycle à côté. Ce qu'on attend des prochaines mises à jour de Sons of the Forest. Il y a un patch qui va sortir demain. On ne sait pas du tout ce que c'est. On n'a aucune, aucune hypothèse. Aucune. Voilà, ça, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut vraiment pas s'imaginer ce qu'il y a. Alors, je me suis un peu renseigné. J'ai vu que sur YouTube, il y a des gens qui arrivent à voir des fichiers cachés du jeu et qui, du coup, pourraient un peu s'imaginer ce qui pourrait nous attendre. Mais on sait pas à quoi s'attendre quand même. Alors moi j'ai quand même envie de vous dire ce dont j'aurais envie. Bête saumon, c'est bon ça. Ce dont j'aurais envie pour la suite des mises à jour. Alors pas forcément le patch suivant hein, comme dit je. Aucune idée. Mais ça pourrait être pas mal. Vous voyez là je suis en train de ramasser des pierres. Jusqu'ici c'est super. 3 4 5. Et là je ne peux plus porter plus de pierres. J'ai 5 pierres maximum dans mon inventaire. Et bien souvenez-vous, dans The Forest, donc le précédent jeu, on pouvait fabriquer des sacs pour justement transporter davantage de ressources. Attends, il y a un petit point d'eau là. Je vais profiter d'aller au petit point d'eau, voir s'il y a quelque chose. Et s'il n'y a rien, c'est vraiment une arnaque. Voilà ce que j'aimerais, c'est que comme à son prédécesseur, on puisse fabriquer des petits sacs pour transporter plus de bâtons, plus de pierres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait être formidable. Oh. Je crois qu'on peut boire l'eau là. Hein. Alors non, 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 il faut pas faire ça. Ne faites pas ça dans la vraie vie, mais attendez, on va essayer un truc. Voilà, on est bien d'accord. Ça me rassure. Non, parce que j'avais cru que l'eau stagnante... On prendrait pas de dégâts. Alors que c'est complètement con, hein, bien sûr. Évidemment, on prend des dégâts. Donc c'est bien fait. L'eau stagnante, c'est la pire. Ouais, donc ça, déjà, c'est une première chose que j'aimerais beaucoup voir. N'hésitez pas à dire si vous aussi, ça vous intéresse, ça.
Mais voilà, c'est vraiment... je vais juste m'arrêter à tous les trucs d'eau là que je vois sur le chemin. Mais ouais, avoir pouvoir fabriquer des sacs de pierre, sacs de bâton pour pouvoir en transporter plus. Ce serait vraiment magnifique. Comme cette beauté du jeu, regardez comme c'est magnifique là. Franchement, là t'as juste pas envie de déforester quoi. Là, je veux couper aucun arbre ici. Hein. Magnifique. Autre truc que j'aimerais beaucoup avoir, alors c'est un peu secondaire, mais ce serait vraiment génial, et il n'y a jamais eu ça dans The Forest, mais ce serait tout simplement de pouvoir avoir des panneaux, pouvoir placer des panneaux et écrire, customiser les panneaux. Ce serait vraiment trop cool, voilà, pour pouvoir écrire voilà, maison de Mkolo, propriété, machin. Mais également, surtout, pour pouvoir éventuellement s'organiser. Pouvoir mettre des panneaux genre direction ci et ça, ou tu vois, quand t'es perdu. Pouvoir voilà graver en fait sur du bois finalement des inscriptions, des dessins, pourquoi pas, carrément j'en demande beaucoup là. Mais ouais, pouvoir écrire, même pour tes meubles, quand tu fais des rangements, un peu comme sur Minecraft quand tu fais tes coffres et que tu mets des panneaux. Moi je trouverais ça trop cool. Voilà, ça c'est les deux trucs que j'attendrais, un plus que l'autre quand même, hein, les sacs de transport c'est quand même plus intéressant, mais j'aimerais beaucoup avoir ça. Oh purée, regardez ce qu'on vient de trouver. Regardez ce qu'on vient de trouver. Fallait le voir. Bah y'a que dalle. Ah si, là. Ouais, c'est bien ce que je dis, y'a que dalle. Ok. Bon, on va continuer direction le point d'exclamation. Bref, donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous attendez des prochains patchs, des prochaines mises à jour. Et là évidemment je compte sur vous, je vous laisse libre à votre imagination. Vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est vraiment vos envies, ce dont vous voudrez, voilà, ce que vous voulez voir sur le jeu. N'hésitez pas à en faire part en commentaire. Je sais pas d'où il est sorti lui, mais il est sorti. Et je crois que là où je vais, il y a d'autres ennemis parce que j'ai entendu que ça criait par là. Voilà, je suis pas serein. Je vous disais, hein, c'est de la balade en partie chill. Mais comme d'habitude, voilà. Oh, un chemin là. Impeccable. Oh, non, on est déjà passé par là. Ah oui, on est déjà passé par là par contre. Je suis désolé les amis, c'est vrai que des fois... bah oui, on avait fait le tour de l'île et en fait là où il y a le monocycle là, c'est un monocycle qu'on avait également abandonné. Donc je suis désolé si... voilà, là on reprend un chemin qu'on a déjà pris. En partie en tout cas, c'était même pas dans ce sens là hein. Donc on va encore découvrir des trucs. Mais voilà, je suis désolé si on reprend des chemins, etc. L'aventure des fois peut se répéter. Mais voilà, il faut vraiment bien comprendre qu'on veut passer à côté de pas grand chose. Et puis en plus avec les mises à jour, s'il y a des nouveaux trucs, des nouveaux emplacements, bah on va y retourner hein. Des fois je me tais parce que j'entends des bruits. Alors c'est les canards hein, qui volent. La patrouille de France. Ça peut très bien être un indigène également, donc je fais attention à ça. Ok, on se rapproche du point d'exclamation. Donc je vais un petit peu plus me taire pour bien analyser, bien écouter. Il me semble que j'ai besoin de la pelle ici. Et encore, je suis pas sûr. Oh bâtard. Magnifique. Le jeu est tellement beau, hein. Vraiment, c'est aberrant quoi. Ok, ça bip. On se rapproche de la zone. Il y a des indigènes. Bonjour. Alors attendez, est-ce que j'ai de l'armure sur moi ou pas? Parce que là ils vont me faire chier. Évidemment j'ai pas d'armure. J'ai l'armure en or. Ah oui, j'ai découvert un truc, je pouvais faire ça. Peau d'animal. Je fusionne ça avec l'armure de cuir. Et ça me fait... Ça me fait quoi? Une armure de cuir. Formidable, ça vaut pas le coup. Bon, ce sera déjà ça. Alors où c'est que je dois creuser? Là.
Non. Là. Ici. C'est ici que je dois creuser. Voilà. Alors excusez-moi messieurs. Merci de pas me déranger. Je creuse une tombe. Voilà, il y a les indigènes juste derrière moi. Aïe! Arrête, arrête. Voilà. Bon, t'as capté. Alors, je vais enlever le GPS parce que ça bip dans tous les sens. Je suis désolé pour ça d'ailleurs. Voilà. Hop, je reprends l'appel. Je continue. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dessous? Je me le demande. Je me le demande. J'ai ultra chaud là. Putain, il fait... Oh bâtard. Ah ouais, il fait super mal. Heureusement, j'ai un petit médoc. Ah ouais, ça fait super mal là. Le petit sneaker. On va juste le temps de régène se mettre un peu à l'abri à couvert. Alors attends, on va refaire la technique du flambeau. Voilà, venez voir là. Venez voir un peu là. Bande de couilles molles. Oh, champignon. Pas bon. Allez, toi tu dégages. Voilà. J'adore ce jeu. Je suis jamais beaucoup rassuré, mais j'adore ce jeu. Alors toi. Voilà. Voilà, comme ça lui c'est fait. C'est bon là? Madame? Voilà. Excusez-moi. Hein. Je suis un peu cruel. Voilà. Putain, j'arrive pas à creuser sa mère. Voilà. Ah, il est là, la tombe. Ça y est. Et on récupère un fusil à pompe et un localisateur GPS. C'était ça qui faisait du bruit. Pauvre pauvre homme, on dirait vraiment Timmy hein. Bah voilà. Une bonne chose de faite. C'était le point d'exclamation. Par contre je rentends un bip. Je rentends un bip. Et j'ai envie qu'on aille le trouver ce bip là. Attendez. C'est pas plus rapide. Mais on va continuer de passer par là, là. Parce qu'il y a moyen de trouver un truc sans le faire exprès, là. Je la sens bien, cette histoire. De toute façon, pour revenir à notre base, on n'a pas le choix. Cannibale. J'entends des petits bips réguliers, c'est très discret. Salut. Bon, au final j'ai pas récupéré le monocycle, mais c'est pas grave. C'est quoi, je vais reprendre la route là. Ok. Que dalle. Que dalle. Là attends. Là on a un grand terrain là. Je suis jamais passé par là. Oh là. Là tu vois, ça c'est un grand terrain, ça se voit que ça a été pensé pour construire une base. Tu vois. Là tu sais que tu peux construire un truc. Après c'est pas forcément l'endroit le plus magnifique. Mais là tu vois, t'as moyen de te faire plaisir. Parce que t'as beaucoup de visibilité, t'as du bois autour. Donc c'est vraiment nice. Là on a de la flotte. Ah j'entends un petit bip là. C'est pas non plus incroyable. Oh. Non. Alors le problème c'est que maintenant qu'il y a de la grosse pierre, j'ai l'impression qu'il y a des caisses à chaque fois. Mais il n'en est rien. Voilà. Bon, on a Kelvin qui est là, je sais pas pourquoi il est là. Mais big up à lui. Ok. Là on a un chemin. Bon, le chemin nous mène à la plage en bas.
C'est pas très important. Ici on a un petit truc d'eau. Pas grand chose. Eh, on va suivre le chemin, il me semble. Il me semble. Mais Kevin me suit, c'est formidable ça. Il me semble qu'en suivant ce chemin, il y a moyen de trouver, vous savez, un truc souterrain là. Parce qu'on n'a pas encore vu de vrai bunker là. À part celui de l'imprimante 3D. Celui de base, qu'on connaît tous. Mais là, par là, il me semble qu'il y en avait un. Alors, il n'est pas marqué sur le GPS. Mais, si ma mémoire est bonne... Ah non, mais... Attends, je suis en train de m'épuiser. Reprends-toi, récupère les petits trucs. Là, il y a de l'eau, là. C'est incroyable. Ça, c'était au patch, je sais plus combien. Ils se sont dit, tiens, on va rajouter des petits trucs d'eau. C'est formidable. Attends, mais là, il y a le grand truc de dos. Si, si, il y a un bunker. Je m'en souviens. Il y a un bunker à quelque part, là. Voilà, c'est bon, je l'ai. Je l'ai, les amis. Les petits caddies de golf. Ah. Est-ce qu'il y a un truc à récupérer? Non. Allez, on y va. Bon, normalement, il nous faut une carte magnétique qu'on n'a pas. Mais il y a des trucs à récupérer, me semble-t-il, quand même. Si je dis pas trop de conneries. Ou alors, peut-être ça a changé, hein. Alors, on va mettre la lumière, si c'était possible. Ok. Et là, imagine, ils ont ajouté des mutants et tout. Je suis pas au courant, je me chie dessus. On descend là, on arrive là. Wesh. Et le bunker. Je peux l'ouvrir. Food and dining. Donc là au moins, comme ça on a de quoi manger, etc. C'est vraiment nice. Du coup. Ah oui, les morceaux de steak, morceaux de cerveau. À la saison 1, c'était en commentaire que vous m'aviez fait remarquer ce que je récupérais. J'avais jamais fait attention à ça. Through you might find this interesting. Le fameux, ça parle du fameux cube, l'artefact, bien sûr. On a des flèches à manger, des barres énergétiques. Là, la carte magnétique, bien sûr, qu'on n'a pas encore. Tiens, je vais me perdre. Non, ça c'est un bout de cerveau. Je vais pas manger ça. Clairement, je vais pas manger ça. Je vais manger ça par contre. Ça c'est vachement bon. Mon petit céréal là. Y'a pas un truc à récupérer là? C'était juste de la bouffe et tout. Food for tonight event only. Pour l'événement de demain. Vraiment des psychopathes. Quand on y pense en vrai, qu'on réfléchit à l'histoire. Quand on réfléchit à l'histoire, c'est vraiment des psychopathes. Là, les milliardaires. Là. Ah, y a que dalle. Y a rien de plus. Hein. Normalement, j'ai rien loupé. Donc, il manque juste la carte magnétique, bien sûr, pour pouvoir aller de l'autre côté. Mais sinon, on a tout récupéré. D'accord. Bon, bah, ma foi, je suis un petit peu déçu. Hein, je vais pas vous mentir. Je m'attendais à autre chose. Non, parce que là, moi, j'aimerais trop récupérer la hache. La grosse hache. Artisanale, je crois qu'elle s'appelle. Et je pense que c'est près d'un petit point d'eau. Mais je pourrais pas vous dire lequel pour le coup. Hop, allez, on arrive au niveau de la sortie. En tout cas les amis, j'espère que cet épisode vous plaît jusqu'à présent. Parce que mine de rien, c'est chill, c'est détente, mais c'est plutôt pas mal. J'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. Dommage qu'on puisse pas prendre les caddies de golf. Oh, Kelvin il est là. Kelvin me suit hein. Fidèle compagnon actuellement. Je sais pas ce qui lui arrive, il doit avoir peur de me voir m'éloigner. Donc là on a le grand truc d'eau. Le grand point d'eau, je me souviens, on s'était installé là durant la saison 1. Mais genre pendant un épisode seulement, j'avais comme projet eh bien de m'installer sur cette petite île en face là au milieu de l'eau. Et c'est vrai que c'est le bon plan de s'installer là. Mais il n'y avait pas encore de tyrolienne à l'époque. Il n'y avait pas encore de tyrolienne, donc on pouvait pas transporter le bois. C'est vrai que maintenant on peut.
Par contre là vous voyez c'est un point en hauteur qui me plaît ici. Alors c'est pas encore la hauteur dont j'attendais, dont je rêvais. Il y a des cannibales partout. Mais ouais, 6 points en hauteur là, on pourra bientôt trouver vraiment cool. Alors attends, notre base concrètement elle est là-bas. D'accord. Écoutez, je vais continuer de longer là. Je vais suivre. J'ai l'impression de me faire poursuivre. Oh, mec. Attends. Il y a un autre hélicoptère. T'imagines, tu peux le piloter. Je l'ai jamais vu là. J'ai jamais vu cet hélicoptère, les gars. Même dans la saison 1. Même dans la saison 1, j'ai pas vu cet hélicoptère là. L'autre, oui, mais celui-là, je l'ai jamais vu alors qu'il était à côté. Alors peut-être qu'il a été ajouté entre temps. Hein. Incroyable. Corde de zipline. Bon, on récupère pas des trucs de ouf hein, quand même. Hein. Y a pas d'armes, pas de hache, je sais pas quoi. Bon, on a récupéré un fusil à pompe, hein, ça l'a dit. Hein. Et ça, mon pote, ça fait plaisir. Parce que bon, je vois un point quand même sur nos armes. On a, bon, le pistolet, il est donné à Virginia. On a un fusil à pompe. Mais on a également un fusil classique, sniper un peu, tu vois. Donc vraiment pas mal, quoi. Ah, ça, on peut peut-être combiner quelque chose. Non, j'ai pas de... Non, je peux rien fusionner. J'ai pas de laser, j'ai pas de... D'accord, j'ai rien. D'accord, mais je peux... Le silencieux. Je peux pas le mettre... C'est qu'avec le pistolet, le silencieux. J'ai trop le seum. Sinon, là, j'ai un rail de pistolet. Bah oui, forcément. Comme dit dans le nom, c'est pour le pistolet. Très bien. Super sympa cet hélicoptère. Vous voyez comme quoi on se balade un petit peu hors champ. Et même en repassant à des endroits qu'on est déjà passé, mais on découvre des nouvelles choses. Donc ça peut paraître répétitif par moment. Et puis des fois on trouve des trucs. Et c'est pour ça qu'on kiffe évidemment ce jeu. Ok. Là, je suis en train de l'épuiser, le pauvre bonhomme. Il y a Virginia qui vient vers moi. Et ça, ça fait plaisir. Et ça, ça fait plaisir. Mais tu sais quoi, Virginia, je pourrais lui donner autre chose que le pistolet. Qu'est-ce que je préfère entre le fusil là, qui fait comme... Alors, j'ai pas les dégâts. Et le fusil à pompe. Je sais pas ce que je préfère entre les deux. Le fusil que je viens de récupérer et le fusil au tout début qu'on avait. Lui au moins il a un viseur. Je pense que je vais donner le fusil à pompe à Virginia. Oh, il y a encore un truc là-bas. Bah, c'est là où est Virginia d'ailleurs. Voilà, comme d'habitude les amis, je confonds ce genre de tronc avec des indigènes. Virginia? Elle est où? Oh, elle est là. Elle m'a fait peur. Tu fais quoi là? Tiens, petite bombasse. Je t'ai trouvé des nouveaux, une nouvelle tenue. Oh la classe. Et regardez la tenue que je viens de lui mettre, mon pote. Magnifique. Bouge pas. Bref, excusez-moi. Petit moment d'égarement. Donc on va continuer sur le chemin là. Espérons trouver quelque chose. On a un petit point d'eau là, regardez. Donc on va y aller. Alors toi mon pote. Voilà. Je t'ai pas vu. On va rien dire. Là il y a un petit point d'eau. Je vous jure on va trouver des trucs doux. Elle a tiré la Virginia. C'est bien. Là. On a un point d'eau. Ouais, pourquoi tu cries toi? Y'a que dalle hein. C'est un peu décevant. Très bien. Non, faudra vraiment que je trouve cette hache. Bah là on est en train d'aller vers notre base. Le point vert, c'est l'imprimante 3D. Des pommes de pin.
le cours d'eau qu'on a déjà traversé juste avant. Ok, bon, on retombe sur nos pas. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Après, il faut se dire que l'autre partie de la carte, l'autre côté de la montagne, c'est là-bas qu'on a encore rien vu, concrètement. Là, on est vraiment en train d'explorer qu'une seule partie de la carte. C'est ça qu'il faut vraiment se rendre compte. Mais même de ce côté là-bas, côté sud, on n'a pas vu grand-chose, hein. Et la hache, à mon avis, elle doit être par là-bas. Donc on va encore y aller durant cet épisode. Comme dit, on va vraiment en profiter avant la nouvelle mise à jour. Parce que je pense que le prochain épisode, on va vraiment voir... alors, je sais pas, hein, ça se trouve, le patch, il y aura rien d'incroyable. Mais j'aimerais vraiment, voilà, qu'on se consacre sur le patch. Donc aujourd'hui, on va essayer de continuer tout ça. Allez, on se retrouve à la base du coup, les amis. Ah, là, on va avoir un problème. Il y a au moins 4 brutes. Alors, vous inquiétez pas parce que moi, j'ai pensé à tout. Regardez bien. Voilà. Cours qui peut, sauf qui peut. Allez, salut bande de nulos. Et voilà le travail. Ah là, on est bien. Et là, ils sont là-bas. Incroyable. Donc ouais, le crash d'hélicoptère, on a déjà tout fouillé. Par contre, là-bas, il y a des points d'eau qu'on a encore pas... Parce que le grand truc où il y a la grotte, là-bas, on a vu. Mais les points d'eau à côté, on les a jamais vus. Et c'est là-bas qu'il y a la hache. La tête de Wham, la hache, elle est là-bas, je le sais. Je viens d'avoir un flash. Par contre, les gars, calmez-vous. Hein. Calmez-vous. Donc, on va y aller. Et vous savez, j'ai un projet. Enfin, un projet, une idée de ouf. Alors, rien ne nous empêchera de le faire là quand même. Parce que vous m'aviez dit de faire un garage pour la golfette. Alors, le problème, c'est que la golfette, elle, déjà, faut en trouver une. Et pour la faire venir jusqu'ici, c'est pas pratique parce que les routes sont pas terribles. Donc, quand on sera en hauteur, les routes seront plus dégagées. Mais dans tous les cas, ben, en fait, j'ai envie de faire un garage comme vous me l'aviez suggéré. Je vais vraiment faire un garage, genre une vraie maison. Et vraiment avec un plancher en bois et tout. Et avec lampe et tout. Et puis la voiture pourra être dedans. On va vraiment faire un vrai garage. En fait, je me suis inspiré. J'ai vu une image en fait passer. Et je trouvais ça incroyable. Donc ça va être un trop beau garage. On pourra très bien en faire un là. Mais je suis pas tant convaincu. Parce que comme dit, c'est pas pratique pour une golfette. Allez, bon du coup les amis. Moi je vous laisse. J'attends juste que le soleil se couche. Je vais dormir. Et au petit matin, on repartira à l'exploration de l'autre côté. Pour voir les petits cours d'eau qui nous attendent. Allez, de retour au petit matin. On peut ouvrir les volets, le temps de respirer, de faire rentrer l'air. Et on va refermer bien sûr parce qu'on va repartir en voyage. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai encore la dalle. Bah, j'ai faim tout le temps, c'est incroyable. Bon, c'est quoi? Je vais manger le poisson cramé tant qu'on y est. Voilà, le bon petit poisson pas bon du tout. Allez les amis, on mange. Je suis clairement en train de crever. Je vais boire l'eau du sol tant qu'on y est. Non mais on va économiser l'eau potable hein, parce que bon faut pas exagérer, ça reste rare. Et je peux te dire que quelqu'un qui a soif, et eh ben il boit n'importe quoi. Non je rigole, c'est pas bien, faut pas le faire. Attendez, je ferme aussi ici. Hop, voilà, c'est important. Ah, je suis un petit peu... Bon, là si je ferais vraiment bien, j'éteignais toutes les lumières. Mais bon, on va peut-être pas exagérer. Alors les amis, du coup, comme dit, on va aller au niveau des petits cours d'eau qui nous attendent. D'accord, donc je vais y aller avec la tyrolienne. Hop, la voilà. Eh, hey, il y a des lapins ici, là. Attendez. Là, c'est une zone de lapins. Du coup. Parce que là, on va pas faire que manger du poisson, hein. Faut arrêter, hein, les pauvres poissons. Donc, on va aussi mettre un piège à lapin. D'accord. Voilà, comme ça, on aura du lapin également. Une huître royale. Allez, les amis, bien sûr, allons-y gaiement. Donc, si vous n'aviez pas compris où c'est que j'avais l'intention d'aller depuis tout à l'heure, parce que je me rends compte que je vous parle, que je vous dis ce cours d'eau, si, ça, mais c'est vrai que vous ne voyez peut-être pas de quoi je parlais, bah vous allez vite comprendre. Ne vous inquiétez point. En gros, là où il y a la grotte et l'hélicoptère, bah on connaît. Hein. Oh là! Monsieur, bonjour. Donc là, on connaît l'eau là-bas, là, le petit étang. Voilà, petit étang, je cherche un petit peu mon vocabulaire. C'est ça que je voulais dire depuis le début. Parce que le cours d'eau, ce que je considère le cours d'eau, c'est ça. Et les petits étangs, c'est là où il n'y a pas forcément de cours d'eau. Et donc vous voyez, les cours d'eau mènent à des étangs. Donc le grand étang là-bas, on le connaît, c'est là où on a buté les gros cerfs. D'accord. Par contre, on a un cours d'eau qui mène à un étang là-bas et un petit étang là-bas. Et on n'y a jamais été, je crois. Voilà, donc on va y aller. Et ce sera plutôt pas mal. Et je pense que ça va nous mener à quelque chose.
Eh mais... Alors là on est déjà allé là, oui, on est déjà allé là, c'est pas nouveau, on a déjà découvert. Bon, je récupère, j'ai rien à récupérer. Ah, ça je prends. Ça je prends. Voilà, des fois on sait jamais, je peux passer à côté de quelque chose. Hein. C'est bon. J'ai entendu un drôle de bruit. Le ponton là-haut, c'est magnifique, regardez-moi ça. J'adore. Voilà, donc. Continuons, continuons. Voilà, donc là le cours d'eau à gauche, ok, mais le cours d'eau à droite et son successeur nous mènent à des points qui ne me disent rien. Donc, bah, vous savez quoi, voilà, on va suivre le chemin. On va suivre le chemin. Alors ce chemin on l'a encore jamais pris. Hein. Pour le coup celui-là on l'a jamais pris normalement. On a pris l'autre partie là-bas mais pas ici. Bon là ça descend par là mais... bah si on peut suivre le chemin. Et ça va mener d'ailleurs à ce point d'eau. Hein. Alors on a le point d'eau plus haut mais d'abord on va commencer par celui le plus loin et le plus petit. Là je pense que vous avez compris où je veux aller. Hein. J'espère que vous avez compris où je veux aller. Ouais c'est bon ça. Ça c'est impeccable. Bon il est 6h du mat, on est au jour 30 les gars. C'est quand même un chiffre assez mémorable. Parce que il me semble que c'était vers le jour 30 qu'on avait terminé le let's play de la saison 1. Même peut-être avant, je ne sais plus. Peut-être que je dis des grosses conneries hein, d'ailleurs. Excusez-moi. Ah. Il y a des gens là. Il y a des gens. Ah bah il y a un village en fait carrément. D'accord. Bah les gars. Vous m'excuserez mais ça ça dégage. À qui le tour? Faites gaffe le feu ça brûle hein. Toi madame. Voilà. Elle est en train de danser la cucaracha. Incroyable. Bâtard. J'ai plus de médoc là. J'ai plus de médoc. Par contre j'ai de l'aloe vera. Si je fusionne cocktail de santé, je fais avec quoi? Avec ça. Et ça. Non. Là c'est bon, je crois que j'ai réussi. Enfin j'ai activé mon Alexa sans faire exprès, c'est incroyable. Je crois que là j'ai un cocktail de santé hein. Non c'est un mélange énergétique. Pas grave, je le mange. Ça fera l'affaire. Et je vais manger... comment je peux régénérer ma santé là? Je sais pas du tout. L'autre il est en train d'agoniser. Rien à péter moi. Ok. 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 Ok, je suis clairement mort. Je suis clairement mort. J'ai pas pensé à prendre des soins en fait, je suis trop con. Pourquoi j'ai pas pris de médicaments? Putain. Si je mange du chicorée, ça me redonne de la santé? Non. J'ai pas de l'armure. Ah si, ça me redonne de la santé les gars. Ah, j'ai pas l'impression. Et ça, chamérion? Non, ça me donne pas de santé. Des murs. Ah, c'est juste que la santé régène visiblement naturellement. Ah, j'ai pas d'armure, j'ai rien. Ah là 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 là. Bon, je vous fais une coupure les amis, c'est pas grave. C'est du temps perdu mais c'est trop important. Je rentre à la base. Prendre des soins. Prendre de l'armure. À toutes. Attendez. Je viens de trouver ça sur le chemin. Ok. Rien de bien incroyable. Oh bâtard. Virginia. J'ai besoin d'aide. Alors Virginia n'est pas loin. Elle est là. Ah putain. Virginia, aide-moi s'il te plaît. Oh, heureusement que t'es bien habillée. Aide-moi. Ah oh, bah d'accord.
je suis dans la merde. Et elle m'aide pas, Virginia. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Je lui ai donné une arme, elle m'aide même pas, quoi. Bah écoute, fusil à pompe. Ah bah voilà. Ok. Je vais réussir à crever, hein. Je vais réussir à crever sur le chemin de la maison, hein. Ok, j'ai mis de l'armure. Merci quand même, Virginia. Bon, je vais garder le fusil à pompe sur moi. C'est vrai que j'aurais dû penser à ça, en fait. Tout à l'heure, je suis débile. Fusil à pompe, niveau munitions, j'en suis où, moi? Balles, chevrotine. Munitions, 9 mm. Je pense que j'ai 14 balles. Donc je vais faire attention quand même. Bon, je vais essayer de pas crever, de rentrer à la base. Ce serait pas mal. Putain, regardez, il y en a encore un là près de ma base. C'est un truc de ouf. Il y a même un bébé mutant et tout. Bon, bref. Pas le temps pour vos conneries, moi. Faut que je récupère des médocs. J'ai perdu énormément de temps, n'empêche. Ah. C'était pas exactement ça que je voulais faire. Ah là là, qu'est-ce qui se passe? J'ai la poisse. Bon, les amis. Des médocs. 1, 2, 3. Déjà, je vais en manger un. J'en reprends un. Et je vais récupérer. Donc là, je vais récupérer ma santé. Et là, je vais récupérer les os qui sont dans l'autre base. Voilà, et je vais me faire de l'armure en os. Là, voilà, je vais faire l'armure en os. Et je vous fais une ellipse et je vous retrouve du coup dès qu'on sera au même endroit que tout à l'heure où je me suis fait arracher la gueule, d'accord? Allez, à tout de suite les amis. Allez les amis, de retour. Donc là je viens de passer à côté du site de Crash, donc le spawn du jeu. Et j'avoue j'étais un peu idiot, mais au spawn en fait il y a de nouveau des valises qui ont réapparu, dans lesquelles il y avait également des médicaments. Moi dans tous les cas j'avais déjà des médicaments, mais du coup voilà, je suis de nouveau full en termes de médocs. J'ai des armures en os sur moi, je les ai pas équipées mais ils sont dans mon inventaire. Et du coup bah, on est reparti du coup direction, donc là on suit le chemin là. Et c'est là qu'il y a les mutants, enfin qu'il y a les indigènes. C'est là-bas qu'on s'est fait arracher la gueule, un peu plus loin d'ailleurs. Donc lui on va pas trop l'approcher. On va éviter le contact. Parce qu'il y a un petit village là-bas. Putain mais c'est pas vrai. Foutez-moi la paix. Ah oui, il y a des brutes là-bas. Oh putain. Eh, je suis dans une... Alors bon, jour 30, donc les mecs ils sont quand même beaucoup plus chauds. Mais même hein. Bon, je vais prendre le fusil à pompe, vous inquiétez pas. Je vais juste me mettre pas à l'abri, mais là où j'aurai le plus de visibilité, parce que là c'est pas le meilleur endroit pour fight. Le meilleur endroit pour fight, c'est là où on s'est fait arracher la gueule, à savoir ici, je crois. C'est ça, à ce petit campement. Et là il y aura plus personne à mon avis, parce qu'ils se sont tous déplacés. Ouais. C'est bien ça. Alors est-ce qu'on peut récupérer les trucs? Très bien. Très bien. Excusez-moi si je parle pas trop. Bon, la dame. J'ai remarqué les femmes, en fait, elles nous attaquent pas vraiment. Donc on n'est pas obligé de les attaquer. Ça, c'est pas mal. Bon, le point d'eau, il est là-haut. Le fameux point d'eau où je voulais aller. Et je vous jure, je suis tendu. Hein. Il y a une... Cette partie de l'épisode, là, j'ai... Je suis pas yimbe, hein. Je suis vraiment pas yimbe. Alors que jusqu'ici, tout allait bien. Il y a des trucs là-bas. Waouh! Trop beau. Trop beau et il n'y a que dalle. Voilà, j'ai encore eu une hallucination individuelle. Et nous voici. Au paradis, on a déjà été là. On était déjà là. Bah on va aller au point suivant du coup. On va faire un petit tour.
On va prendre l'étang là-bas et l'étang qui coule. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, et après il y a la grande plaine là où on avait justement le kart. Et il y avait le village où on s'était défoncé la figure, souvenez-vous, il y a quelques épisodes de cela. Donc en fait on est déjà passé par là un petit peu, mais pas vraiment non plus. On n'a pas vraiment checké. Bah, la preuve, hein, de toute façon l'hélicoptère par exemple qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va prendre notre temps de bien explorer. Bon là y a rien. Ok. Récupérer des bâtons. Putain mais comment je me chie dessus, c'est impressionnant. Bref, du coup voyons voir cet étang là. Est-ce qu'on l'a déjà vu ou pas? On va avoir le verdict. Est-ce que surtout on va découvrir quelque chose d'intéressant? Ça c'est la vraie question. Oh purée. Magnifique le bordel. Bon ils sont gentils du coup hein. Ils te chargent pas. J'avais toujours cru que ces animaux te chargeaient mais en réalité ils sont très sympas. Je crois. C'est très beau. Voilà ce que j'en dis, c'est très beau. Ça me... Alors prenez-en plein la vue. C'est absolument magnifique. Il n'y a pas de crocodile. Ça c'est un truc, bon c'est pas un endroit où il y aurait des crocodiles normalement. Mais ça me manque un petit peu. Les crocodiles c'était assez rigolo sur The Forest. Je vais éviter de trop courir. Parce que je pense que je vais avoir besoin d'énergie. Dans pas longtemps, je sais pas pourquoi. Bon, voyons voir ici. Mais là, ça m'étonne qu'on trouve rien. Genre, y a rien d'intéressant. Elle est pas censée être là, la hache. Oh. Oh. Ok. On a un village. Sans grand intérêt. Parce que c'était pas pour ça que je suis venu là, mais. Donc cet étang nous mène à là. Mais c'est de la merde. Elle est où la hache, les gars? Il y a bien un étang où il y a la hache. Ah, je me suis fait cramer. D'ailleurs c'est dommage. Parce que ici c'est un chouette endroit aussi là. Ouais on est déjà passé par là en plus. Ok. Excusez-moi si je parle pas trop là, je me chie dessus voilà, hein, je... Est-ce que je peux passer là hein? Non je peux pas. Dommage. Ah, il y a volonté de me nuire là. Ah, bah je vous laisse tranquille alors. Attends, on va aller sous l'eau voir s'il n'y a pas des trucs. Ça m'a l'air bien profond quand même. Bon, on est déjà passé par là, je suis vraiment navré. Ouais, on est déjà passé par là, le campement là et tout. C'est bizarre quand même. On trouve pas la hache. Alors ça voudrait dire que ce serait le cours d'eau là-haut, là, l'étang là-haut. On a fait tous les cours d'eau. Attends, il y a un kart là. Je sais pas si je peux le conduire. Ah si, on peut le conduire. Bon du coup le village, on va pas trop s'y attarder, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va pas trop s'y attarder. On va, à mon avis, rien trouver dans le village. Hein. J'ai remarqué dans les villages, on trouve rien. Enfin, on trouve pas les objets. Qu'on cherche quoi. Bon, je vais suivre la route parce que j'ai pas le choix avec le kart. Le caddie. J'évite d'accélérer comme un teubé. Voilà. Attends, est-ce que je peux sortir le GPS? Non, je peux pas. Oh, c'est incontrôlable. C'est incontrôlable. Mon dieu. L'électrique, c'est fantastique. Ok.
Bon, mais manifestement, c'est pas là que je veux aller de toute façon. Ah, encore des cannibales, allez. Oh non. Et ben voilà, j'ai niqué. Ah! Oh, les poissons, ils m'ont fait peur! Les poissons, ils m'ont fait trop peur! Bon, attendez, moi je perds pas. Ma base, elle est là où il y a les points jaunes là-bas. Je perds pas espoir. Je sais que je peux trouver quelque chose, quoi. Là où il y a le petit étang là-bas, on connaît. Mais là-haut, on connaît aussi. C'est là où c'était gelé et tout. Ah, c'est pas là qu'on trouvera la hache. Je suis dégoûté. Je sais ce qu'on va faire, les amis. Je vais rentrer à la base. Et on va prendre le deltaplane. Et on va essayer de décoller. Et on va essayer de voler un maximum. Et j'espère qu'on va trouver quelque chose. Attendez, mais je suis con. On peut descendre avec la luge. Regardez. Let's go! Ouais! Pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt? Incroyable! Oh, c'est génial! Ça c'est dommage. Incroyable. Beaucoup plus rapide. Let's go. Ah ouais. Bon, c'est pas non plus le futur quoi. Mais c'est pas mal. Allez, on va prendre le deltaplane. Attendez, je suis juste curieux de voir. Est-ce qu'il y a moyen de décoller de là-haut? Ça m'étonnerait fort. Mais en vrai ça mange pas de pain. Parce que je risque pas de le perdre. Oh, il y a des mutants. Il y a des grosses brutes, on s'en fout d'eux. Alors est-ce que ça marche? Oh! Il y avait quelque chose là, il y avait vraiment quelque chose à faire. En vrai, il y a quelque chose à faire. Je vais me permettre de réessayer, les amis. Parce que ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Franchement, s'il y a moyen de décoller de la base, c'est incroyable. Et on soulignera que les ennemis viennent toujours là-bas et jamais ici. Enfin bon, il y a des ennemis qui viennent par là aussi. Hein. Mais moins. Et ça, ça fait plaisir. Bon, vas-y, on va essayer de décoller. Du coup, si je fais la technique qui monte et qui descend, regardez, je suis en train de décoller là, non? J'ai pas l'impression. Attendez, ouais, c'est pas fameux, c'est pas fameux, mais fallait essayer. Mais en vrai, il y a moyen de ouf. Est-ce qu'on peut utiliser la tyrolienne ou pas? Quelqu'un en commentaire m'avait suggéré. Non, ça marche pas. On peut pas. On peut pas. Mais en vrai, ça le fait de ouf. En vrai, il y a grave moyen. Vous avez vu comme j'ai volé longtemps en vrai? Attendez. Faites-moi confiance. Regardez bien. Ok. Je descends. Et je monte. Et je tourne parce que quand même. Là j'ai repris de la hauteur là. Je descends. Et je monte. Ah dommage. Je me suis pris mon propre truc. Bon en vrai ça, ça le fait. Ça le fait. Il faut avoir la technique. Si t'as la technique ça marche. Mais bon, on va quand même se permettre de décoller de plus haut. Et là, je crois qu'il y a les brutes, elles se sont fait avoir par mes pièges, là. C'est pas mal, ça. Ah bah, lui aussi, il s'est fait avoir par mon piège. Hop, je récupère ça. On met ça en place. Magnifique. Allez, bah écoutez, les amis, on se retrouve au niveau de l'endroit où, justement, on avait trouvé ce deltaplane. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu le... J'allais dire l'arroseur arrosé. Non, la boucle est bouclée. Voilà, je crois que le deltaplane était par là. Je sais plus exactement où, hein, il devait être ici. Donc écoutez, on va prendre notre envol là. Et on va essayer. Oh putain bâtard. On va essayer donc d'aller le plus haut possible en fait. Hein. Et putain, faut qu'on trouve. Oh mais si ça se trouve, il est. Mais non, on s'est déjà baladé par là-bas. Ah je vois pas où c'est qui serait la hache. Bon, allez les gars,
On va y aller. Front off. On va dévaler. On va essayer de pas se prendre d'arbres. On va essayer de faire en sorte de voir quand même un maximum en dessous de nous. Bon, donc tout ça on connaît, hein. Mais sait-on jamais, hein, si on est passé à côté. Peut-être par là-bas. Tout ça on a quand même globalement bien vu. Et à gauche aussi, mais peut-être pas forcément tout droit là-bas. Donc on va aller voir ça, les amis. Enfin, regardez la base d'au-dessus, c'est incroyable. On a encore le rondin de bois d'ailleurs dans l'eau que j'avais jeté tout à l'heure au début de l'épisode. Ok. Bon, évidemment, c'est sûr qu'on voit pas. Bah, si, on arrive à voir quand même relativement bien, mais. C'est pas. Forcément, de tout en haut, on peut pas forcément tout voir. Là, il y a un truc d'eau là. Juste en dessous, il y a un point d'eau, mais. Ça m'étonnerait. Non, c'est là. Là, il y a une cascade. Non, bah, non, bah là, c'est là où il y avait. Où il y a les campements, là où on a rétro. Voilà. C'est pas ici. Ça, on sait. Ah, mais il n'y a pas d'autres points d'eau en fait là. Il n'y a pas d'autres points d'eau intéressants ici. Bon, ce qui est pas mal là, regardez. Épisode chill. Enfin, fin d'épisode chill. On se détend, on se balade. On va voir une belle vue là. On va peut-être se trouver un futur emplacement pour s'installer, qui sait. Ah, la hache artisanale. D'ailleurs, le soleil se couche là-bas. On pourrait s'installer sur ces hauteurs-là, tiens. Ah, on était déjà là en hiver. On s'était installé là en hiver une fois. À la saison 1. Oh, il y a un village juste en dessous, eh. Tu m'étonnes. On se faisait allumer à l'époque. Je suis en train de découvrir des trucs de ouf, là. Par contre, là, c'est très joli ici, hein. Ça donne carrément envie de s'installer là, les gars. Bon, on va essayer de reprendre de l'altitude. Donc, pour ça. Oh, il y a des trucs là. Des barques. Ok, je crois que je suis en train de remonter là. Alors je descends et je remonte. Ah, c'est pas fameux, hein. C'est pas fameux. Oh là. Oh là. C'est un jeu dangereux. Bah là, c'est là qu'on a commencé l'aventure. Au final, je sais pas du tout où est la hache. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une idée. Malheureusement, je crois qu'on peut se mettre le doigt dans l'œil. Par contre, on a repris de l'altitude, on est bien d'accord. J'ai réussi ma technique. Donc, tu descends. Et tu remontes. Oh, mais c'est que ça marche. Je suis en train d'aller de plus en plus haut là. Mais grave, attendez, mais on arrive à voler à l'infini, c'est bon. J'ai le truc. J'ai le truc. Profitons-en, les amis. En plus là, on a des belles hauteurs. Qui sait, on va trouver des trucs là. Le doute m'habite. Y'a que dalle. Ouais, en plus ça me frustre parce qu'on est déjà passé par là à pied tout à l'heure. Fait tout ce qu'on a fait à pied, on est en train de le faire en 2-2. Il y a un village là aussi. On n'est pas passé par là. Regardez, je remonte là, je remonte. Je remonte, ça marche. Si on prend en témoin les arbres. C'est peut-être pas une bonne idée là ce que je fais, donc Bref, bon, vous savez quoi les amis, on va s'en arrêter là dans les airs pour cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Très important, c'est la récompense. Putain, il y a quelque chose en bas là. Là où je suis, il y a quelque chose.
Ici, il y a quelque chose. Faut que je retienne. Faudra qu'on y aille. Il y a clairement quelque chose. Ok, faudra qu'on y retourne, les amis. Retenez bien ça. Allez, à bientôt, les amis. C'était Mkolo. Plein de bisous, je vous kiffe. Bonne semaine. Ciao, tout le monde.